Bonjour, c'est Kadi, bienvenue sur The Gaming pour l'épisode 12 du Let's Play de Stranded Deep en compagnie de Farah. Et coucou. Donc toujours Stranded Deep en multi, Farah est à gauche et je suis à droite. Voilà. On n'a pas changé de place. Non, on change toujours pas de place, non, c'est le jeu qui décide comme ça. Non, pas de place. Alors, pour cet épisode, en fait on a besoin, alors déjà je vais vous présenter un petit peu la base, comment elle est, parce que en quelques minutes, j'espère quelques secondes même. Parce que ça évolue un petit peu, on fait toujours un petit peu de hors vidéo. Alors là, vous le voyez pas, je vais prendre ma lampe, c'est mieux, voilà, comme ceci. Donc on a deux distillateurs d'eau, ça j'en avais déjà parlé, mais je crois que je ne les avais pas montrés. Les palmiers, je vous rappelle les palmiers dont on a besoin pour remplir en fait les distillateurs. Sachant que chaque pouce de palmier donne 5 feuilles, et chaque feuille de palmier donne du coup une dose d'eau. Donc là, vous voyez, le nombre qu'on a, on en a 6 ici, et au-dessus, on en a 12. Donc ça fait... Beaucoup. 18. C'est ça. 18 fois chacun fait 5, ça fait donc 92 total. C'est ça. Attends, 18 fois 5, ça fait pas ça du tout. Ça fait 90. Non, ça donne pas 5 doses, ça donne 4 doses. Non, ça donne 5, il y a 5 feuilles dedans. Il y a pas 4. Oui, d'accord, mais oui, mais ça donne 4 doses de flotte. Oui, d'accord, ok, oui, oui, oui. Voilà, donc ça donne, donc ça donne 90 doses de flotte. Donc là, on est plutôt bien. Les noix de coco, il y en a plein, il y en a même pour rouler sous la maison, je vois là. Oui, on a fait un petit stock. C'est pas grave, on ira aller chercher demain. Ici, on a le fumoir, ça vous l'avez déjà vu. On a le cochon guignon. Voilà. Là, qu'on a décidé de garder. Ouais, j'ai pas envie de le flinguer, je vais le garder. Alors, on sait pas comment on va l'appeler. On cherche. Bon, on a déjà décidé. Kaya, c'était bien. Mais je pense qu'il le prendrait mal. Donc, on va pas l'appeler Kaya. Bah, apparemment, il est pas d'accord, regarde, il dit non. Oui, j'ai l'impression qu'il dit non. Donc, du coup, on a deux. Tu veux t'appeler Kaya? Ah, bah non, il veut pas. Est-ce que tu veux que tu ne t'appelles pas Kaya? Tu veux t'appeler Yout? Il veut pas s'appeler Yout non plus. Rick, tu veux t'appeler Rick? Gadu non plus, Farah non plus, je crois. Bon, bref, donc du coup, on a aussi deux tonneaux, deux pneus qu'on a ramenés de la plage, qu'on a ramenés en fait du bateau qui est à côté. On a le canot de sauvetage dont on se sert plus. Oh, regarde-moi cette pleine lune là-bas qui se couche. Voilà. La pleine lune qui se couche aussi, au loin, voilà. Et regarde avec le reflet avec le reflet sur l'eau et tout, c'est beau. Voilà, toi, le reflet, j'ai déjà vu. Enfin bon, bref. Ok, bon, ça va, non, mais ça va, t'apprécies pas. Non, je suis pas très poétique, c'est vrai. Et dans la maison, on a tous les coffres qui ont été rangés. Alors voilà, c'est les coffres que Farah a rangés qui sont vides. Donc il y en a 5. Ah. Ici, on a un coffre qui normalement est vide. Ah non, il est pas vide, tu vois encore. T'as pas mis dans divers. Mais si, c'est parce que. Oh là là là. Tu l'as pas encore mis dedans. Oui, bref, et tout ça en fait, c'était trié. Vous voyez le nom qui est écrit dessus? Ruban, tissu, fruits, légumes, herbes médicales. Alors, herbes médicales, c'est un peu large. Hein. Il y en a qui protègent juste là. Il y en a qui cicatrisent apparemment de l'urticaire. Ouais, bah je travaille pas en pharmacie, ça va. Hein. C'est de la pharmacie, tout à fait. On a de la ficelle, du cuir, de la peau, des planches, des pierres, de la pierre, de la ferraille. Oh, attends, il manque un R là. Et ça, alimentation, batterie, tout ça, en fait, ce sont des pièces de moteur. Il manque un R. Voilà. Où ça, il manque un R? Ouais, il manque un R à ferraille là. Ça, j'ai pas vu. Ferraille, ça. C'est celui là. Ah, il n'y en a qu'un, effectivement, ouais. Voilà. Il y en a un qui a continue. Ouais, vas-y, renomme. Donc, du coup, voilà, on a tout ça. Là, tu peux y aller maintenant, vas-y. Hein. Et l'autre, il manque un S. Donc, je disais, oui, ça, en fait, on est plutôt blindé. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est pour avancer sur l'histoire. Je rappelle que l'histoire, c'est. Il nous faut des vivres, donc de l'eau, de la bouffe. On doit réparer l'avion. Et on doit pouvoir se casser. L'avion qui est juste à côté sur le paquebot. Qui est. Dès que Farah aura fini, avec un S. Voilà. Sur le paquebot qui est un petit peu au loin, qui est là-bas, voilà. Le problème c'est que, clairement, on se rend compte que, alors niveau boisson, on est bien. On a encore des noix de coco si jamais on veut manger, mais le problème c'est que... il faut boire ce qu'il y a dedans et on n'a pas forcément envie, parce qu'on a des stocks de fou. Niveau bouffe, j'ai pas envie de tuer le cochon guignon. Non, il laisse le dire, et, il veut pas de toute façon, il veut pas rien. Et dedans, je crois qu'il y a que... il y a une mouette, c'est tout, point. Donc en fait, on n'a pas grand-chose à manger en fait en soi. Donc là on est pas trop mal quand même, mais du coup il va falloir qu'on prévoie la bouffe. Et pour ça ce qu'on va faire, donc, non, alors, c'est pas ça. Déjà je te le dis, on s'en fout de ce que tu dis, parce que en fait les viewers ils ont déjà vu la miniature et le titre de la vidéo. Ah oui, ils c'est savent vrai. Déjà ce qu'on va faire. Oui, très et très ils chasse. Savent même plus que nous en fait, très parce pêche. Que ça se trouve, on a prévu quelque chose. Et en fait, on ça va pas arriver. Non mais ça va pas arriver parce qu'il va se passer autre chose, hein, je sais pas. Et on va partir sur autre chose, ouais. Voilà. Et du coup la vidéo aura totalement changé de nom. Oui. Comme ça, déjà, on ne saura jamais. Donc, ce qu'on voulait faire, et je sais pas si c'est ça qui est dans la miniature, c'est de faire un petit peu de chasse et pêche. Ah ouais. Justement, pour avoir plus de viande. Alors, on va commencer déjà par la... Alors, la chasse, on l'a plus ou moins déjà faite, même s'il nous reste des cochons à chasser qui sont très emmerdants. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un arc... j'allais dire Kaya, mais c'est Farah.
Oui. Excuse-moi. Et du coup, on va aussi pêcher. Ouais, on et peut pour faire une canne à pêche, on va regarder ici. Alors, moi, j'ai jamais fait, hein, je sais pas comment ça se passe. Enfin, je sais pas si on a fait une aussi, une canne à pêche. Alors, moi, je sais comment on fait. La canne à pêche, elle est où? Alors, il y a un bouchon, je pense que c'est le bouchon pour la canne à pêche. Ça. Et la canne à pêche, elle est où à part ça? La canne à pêche, il faut la crafter. Ouais, mais est-ce qu'elle est là-dedans? Elle est là, oui, elle est là. Elle est là, pas loin. Rudimentaire, arc, tu vois, faudrait qu'on fasse ça. C'est un bâton et une ficelle, ça, on peut les faire tranquille. Et on ira chasser après le. Alors remonte un peu, là, elle est juste là, regarde là. Canne à pêche, tout à fait. Donc c'est trois bâtons, c'est ça, et trois ficelles. C'est ça. Plus un bouchon. C'est ça. Un petit bouchon. Alors bouchon. Pour ça, normalement c'est bouchon. Flotteur, il y en a ici. J'en prends un flotteur. Voilà. Donc, j'ai déjà crafté le bouchon. Ça fait un peu cocktail monotof, mais c'est un bouchon. Je vais chercher le bois qui est dehors. Alors le bois, on a aussi un bon stock. Alors on n'a pas. Ouais, il a diminué. On a fait manger. Ouais, alors ouais, un petit peu, mais ça va encore. Franchement, ça va. Parce qu'en fait, on a plus rien à crafter. Heureusement, Crick n'est pas là. On a que ça, hein, en fait. Hein. Oui. Je t'ai appelé Rick. Heureusement, Crick n'est pas là. Et d'ailleurs, le bois, tu peux peut-être le mettre dans les coffres, hein, vu que il nous en reste dehors. Absolument. C'est histoire que ça. Avec Gadu, on met tout dans les coffres. Hein, oui. Moi, il y a rien qui traîne avec moi. C'est toujours clean. Ah ouais. Ficelle. Donc ficelle. J'ai besoin de ficelle. Voilà, comme ceci, on fait la canne à pêche qui est donc. Passe. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait. C'est quoi ça, bois accroché en fait? Comment? La canne à pêche. La canne à pêche. La canne à pêche est dans votre sac à dos. Ici. Alors, maintenant, comment ça a marché? On va essayer. Attends, tu dois faire un arc aussi, non? Tu veux pas commencer oui, en même temps? En même temps, bah, bah oui, fais tout en même temps. C'est le mode œuf. Alors, par contre, comment on fait des flèches? On va crafter des flèches aussi avec ça. Oui, il va falloir faire. Ah oui, oh putain. Ah ouais, non, mais pour des flèches, t'as vu ce qu'il faut? Il faut un bâton et un silex. Donc à chaque fois, il faut une pierre. Ah bah, on va faire très peu de flèches alors, mais on va essayer quand même. Ah oui, c'est clair. À moins que ça donnerait plusieurs flèches, bah non. Ouais, alors, tu sais quoi, tu fais 4 flèches. Peut-être que les flèches, tu les récupères après. Ah oui, on récupère les lances. Donc avec 4 flèches, parce qu'en fait, je crois que le coffre à pierre, voilà, qui est en bas à gauche, t'es passé devant. Sérieux? Oui, tout en bas à gauche. Quasiment tout en bas à gauche. Bah, ici. Toi, t'es passé devant. Et dedans, normalement, tu dois avoir suffisamment pour pouvoir faire ce que tu veux. Alors, moi, je vais faire pendant ce temps un arc. Je ne propose pas d'arc, c'est ça qui est super bizarre. Attendez, je vais vérifier quand même. Non. Je fais un clic rapide à la place. Donc, arc. C'est où arc? Rudimentaire arc, il n'y a pas ça? Voilà, si, c'est ça, si, tu vas le trouver. Continue. Là, aussi là, remonte de deux. Tout à fait. Allez, ici. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne nous propose pas dans les trucs rapides, mais c'est pas grave. Du coup, tu me donnes deux flèches, parce qu'on va pas gaspiller. Clairement, là, le niveau pierre, on n'est pas top, il va falloir qu'on referme la pierre. Prochain objectif, pierre et peut-être un peu de palmier, hein. Ça mange pas de pain. Niveau ficelle, on est bien. Hein. Pour info, les coffres de fibres sont pleins. Et encore, on a encore plein de fibres. Ça, c'est de la fibre, vous voyez. C'est bien parce que l'herbe a été coupée. Une fois, oui, ils sont passés ce matin à la mairie. C'est pour moi l'arc? Non, j'ai non, c'est le mien. Moi, c'est des flèches que je veux. Hein. Eh ben 30 secondes, hein, il travaille, je le fais. Un joli petit tas de cailloux, là. 1, 2... Oui, les cailloux, tu peux les prendre, les cailloux. J'ai que deux flèches, hein, pour info. Pourquoi t'as 5 cailloux? Ok, ça c'est fait. Ah ouais, mais je suis plein, donc c'est pour ça que je galère. Et flèche, voilà, flèche. Flèche, voilà. Ok, d'accord. Et flèche. Alors du coup, moi aussi je suis plein, donc du coup... Voilà, putain, la connerie. Parce que j'ai ramassé. Elle est partie où là, la flèche? Elle est partie où la flèche? Ah! Succès déverrouillé, Lean Mean Crafting Machine. Qu'est-ce que t'as fait? Les flèches, je pense. Bah moi je. Ah oui, c'était toi qui comptais pas. Tu as fait les flèches ou pas? Alors j'en ai fait une, l'autre a roulé. Bon, j'ai la fille quand même, je suis pas fou. Hein. L'autre a roulé. Parce qu'il va nous falloir des flèches évidemment. Alors... pour tuer des potentiels ennemis. Je t'avais mis 4 pierres. Avec les 4 pierres, tu fais 4 silex. Non, il y avait 5 pierres déjà. Ah bah, tu ramasses 4 pierres sur 5. Comment ça se fait qu'il y en a. Bah oui, moi, sauf que moi je voulais pas en faire 5 en fait, je voulais en faire que 2. 2 pour toi, 2 pour moi en fait. J'en avais prévu 4 pour toi, 4 pour moi. Alors le problème c'est que du coup on a plus de cailloux si tu fais ça. Oui, on a encore des cailloux, t'inquiète, on va en chercher. Oh bah, il doit plus en avoir beaucoup. Hein. Et une pioche. Allez, c'est quoi, on va le faire pour te faire plaisir. Mais oui. J'ai plus de place dans mon inventaire. Qu'est-ce qui prend ton place dans mon inventaire? Et il y a ça aussi, t'as pas montré. Ça, cette connerie, j'ai fait ça sans faire exprès. Attends, déjà. Il y a une flèche par terre là. C'est ça que je cherchais. Elle est où? Elle est là, tiens, je l'ai pas vu. Merci, enfin. Donc oui. Là, il y en avait deux, c'est bon, c'est nickel. Maintenant, je crafte les deux autres. Hein? Flèche. Comment ça, poète? Il manque un.
Non, t'es plein. Ah bah non, non, tu dois pouvoir les stacker. Ok, alors ça. Et flèche. Pas se planter. Flèche, voilà. Je reprends l'arc et on peut y aller donc. On commence par chasser les pêcheurs. On va chasser déjà les sangliers là, les petits marcassins. Alors. Oui, alors on tue les animaux dans le jeu, mais on adore les animaux, hein, on vous le dit. Oui, moi j'aime pas. Non, en plus c'est pas une blague. Attends, il est là. Oui, bah là. On bande l'arc. Farah aime beaucoup bander, ça. Oh, je fais la blague à chaque fois. T'as pas envie de tourner en rond. Attends, il tourne en rond. Ah oui, d'accord. Tac, ah, oui, d'accord. Je l'ai eu. Moi je l'ai eu. Alors on peut récupérer les flèches. Attends, c'est nickel. Bonne nouvelle. Raté. Par contre, c'est une maison dans le caillou, tout du coup. Elle casse, non? Elle casse, tu vois. Contre les cailloux, elle casse. J'ai désingué ma flèche contre le caillou. Et là, j'ai ramassé une mouette. Ah, mais chaque fois qu'il. Il m'énerve, lui. Ça nous coûte cher en arc, hein, ton histoire. En flèche, hein. En caillou. En fait, c'est vraiment le caillou en fait, qui va être un super problématique. Putain, elle est dans le caillou encore. Putain, il se fait chier en fait. T'es fou de notre gueule. Non, en fait, c'est super chaud en fait. Il est où? Il tourne? Non, il est derrière toi. Merde, s'il vous plaît. C'est pas pratique l'arc. C'est ça. Putain, je me mets en train de courir avec notre arc à la main. Ouais, voilà, c'est raté. Voilà, moi j'ai plus rien. Heureusement qu'il récupère. Ramasse ça, tes flèches. C'est ça. Non, il est pas parti voir sa mère. Putain, et en plus il se strafe, le. Et je galère plus pour lui que pour les serpents. Putain, alors dis-toi au dernier moment quand tu tires, quoi. Ouais, moi j'ai encore cassé une flèche, hein, sur les cailloux, j'en ai marre. J'ai niqué toutes mes flèches, en fait. Il y en a une sur lui, et toutes mes flèches sont dans le mur, à part ça. Ah, mais donc, de la façon que tu t'approches de lui, là, mets-lui dans l'œil, hein. Putain, en plus, il mieux plus vite, hein. Part dans l'eau. Ah bah merde, putain, il est en scaphandre. Là, celle-là, c'était pris plein de tranches. Putain, mais il est costaud, hein. Attends, quand il passe. Tac. T'as dit. Fais dans ta gueule. Tiens, fais dans ta gueule. Ah bah, quand même. Bon, j'ai ramassé, je sais pas combien de flèches. Une, probablement. Une seule. Donc, tu peux ramasser les autres. On a donc un sanglier. Je te laisse le dépecer, mais pendant ce temps, je vais tenter le petit bouchon, comme on dit. Le petit bouchon. Petit bouchon. Alors, pour ça, je prends ma canne à pêche. J'ai jamais essayé encore, hein. Tu vas dire, il y a son copain qui est là. Là, s'il nous fait trop chier, sur aussi. On va sur le bout de notre île. On ouais, dit pas non, lui. Alors, attention à l'anémone, par contre. Alors, on fait pas le coup avec l'anémone. Comment on fait? C'est parti. Alors, dès que ça mord, tu cliques. Enfin, ouais, tu cliques pas. Relâche. Voilà. Dès que tu vois que ça fait un peu trop de bruit, un bruit un peu plus grave. Et dès que tu vois que ta canne elle plie fort, tu lâches. Mais comment je ramène? Bah tu appuies. Tu restes appuyé. Et dès que tu vois, là tu lâches. Voilà. Tu appuies. Alors j'aimerais que tu nous montres ça de profil. J'aimerais bien te voir en fait en train de pêcher, moi. C'est où? Et il se passe quoi? Sinon elle casse et... Ah oui, elle casse, oui. Mais alors, pourquoi là j'arrive pas à le ramener, ce connard. Alors ça va, parce que quand tu casses en fait, ton bouchon reste au milieu de l'eau. Il suffit juste d'aller rechercher le bouchon. Tu vois là? Ouais, moi j'aime bien de voir toi en fait. Ah, c'est. Alors, je crois que je l'ai, hein. Ah, de toute façon. Oh là! Un discus, non? Un discus, putain, c'est de la merde. Vas-y, pêche aussi là. Moi je veux te voir. Parce que je me fous de ta gueule. C'est-à-dire, la mouette là. Elle va gifler la mouette. Je moque pas. T'es juste un anémone qui est juste à ta gauche, quoi. Tu fais très attention. Très attention à toi, enfin. Une sardine, une. Pêche plus, puis tiens, vers le bateau, tiens, s'il te plaît. C'est pour moi, ça, c'est pour le. Non, mais après, voilà, une sardine attrapée. Pêche vers le bateau, lance vers le bateau. Pourquoi il y a une mouette par terre? C'est moi. Lance vers le bateau ton bouchon, s'il te plaît. Vers le bateau. Ouais, comme ça. Sauf qu'on voit ton bon profil grec. Vas-y, ramène-nous ça, là. Ramène-nous un gros poisson. Hein. Moi, je veux voir un gros poisson. Ouais, j'aimerais bien. Ok, là, le bouchon... Ah, vous direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas trop mal fait. Excepté la canne à pêche qui sort à ce point-là, c'est impossible. Oui. J'imagine bien qu'elle casse. C'est une canne à pêche en roseau, ça plie, mais ça ne casse pas. Bah, en roseau, ça casse encore plus, je pense, non? Oh, celui-là, il m'a l'air un peu plus gros. C'est vrai? Ouh, je sais pas.
Oh, regarde. Ah oui, c'est un discus. T'as un discus encore, ça fait chier, quoi. Bon, toujours est-il que ça marche bien. Est-ce que s'use ta canne à pêche? Comme mamie. Comme mamie. Bah oui, d'accord. Non, non, mamie s'use. Pas comme mamie. Mamie s'use. Je ne sais pas. Je pense que oui, logiquement, elle s'use. Pour tu, moi, tu elle s'use. Dessus, en fait. Tu vas dessus. Mais je peux pas parce que je suis 100% blindé. Ah ben voilà, donc, mais moi je peux pas parce que je suis blindé. Et j'ai ramassé un discus. Donc ce qu'on va faire désormais, parce que du coup on aura plus de problème de bouffe. Mais alors, ce qu'on peut faire aussi, est-ce qu'on peut faire aussi, c'est aller pêcher, mais en pleine mer. Pour ramener des gros poissons. Des gros poissons. Est-ce que tu veux qu'on tente le coup? Eh ben ouais, mais alors par contre, attends, je vais vider quelques trucs parce que là je suis blindé. Il y a le cochon qui dit non. Ah, le cochon. Merde, putain, on a oublié son bébé là-bas. Fait tellement peur. Ah, attends, déjà il faut jeter des trucs là parce que c'est pas possible. Ça va. Donc c'est comme ça, ça, je vais faire ça, voilà. Ce que je voudrais, c'est le mettre dedans au minimum. Donc les canapés, moi, je vais vider dans un coffre là, mais je vais récupérer après. Ouais, alors moi c'est pareil, c'est quoi, enfin, ce que j'ai sur moi, en fait, je peux... Enfin, le problème, c'est que l'inventaire, putain, se remplit vite. En tu fait, une canne à pêche, un arc et des flèches. Voilà, en fait, il faudrait qu'il y ait un coffre. Il faudrait qu'il y ait un coffre marqué Gadu, un coffre où il est marqué Phara, et où on dépose nos affaires à nous, tu sais. Les affaires qu'on sait qu'on va pas besoin. Ouais, mais un coffre, ça fait que 3 trucs, donc pas aller loin. Il faudrait 2 coffres dans ce cas-là. Mais ouais, coffres, au pire, ouais, repris, au pire, hein. Ouais. C'est quoi les petits bâtons que t'as laissé au bord de l'eau, là? Les bâtons, les petits... Hein? Il y a 3 bâtons au bord de l'eau. C'est pas moi. Bon, bah écoute, je vais les ramener... Pourquoi automatiquement, quand il y a un truc qui traîne, c'est moi, quoi? Bah parce que moi, je serai entraîné. Tu devrais me connaître depuis le temps. Ouais. Je suis sûr que, quand je te dis ça, du coup, t'as le doute sur toi-même. Non, non, absolument pas. Attends, pourquoi t'es où le stock de bois, là? Je trouve plus. Stock de bois, il est pas. Putain, il est pas là le stock de bois. Tu l'as mis dans le coffre, oui, le stock de il bois. Il est là le stock de bois. Il est ici, là, il est là, il n'y a plus rien. Ah, ouais, d'accord, c'est pour ça. Et t'as montré aux viewers les patates? Ah, oui, les patates. Les viewers. Alors attendez, les patates ont repoussé dès de même. Alors, j'ai ramassé du coup. Tant voilà. Qu'on leur demande. Bah, en fait, je sais pas, il a dû pleuvoir, ça a dû se remplir parce que nous, on n'a pas touché. Ouais, mais alors, regarde, justement, c'est ça en fait. Tu vois, regarde sur la parcelle, il y a de l'eau maintenant dedans. Oui, alors qu'avant, il y en avait c'est pas. Ce que je dis, c'est une tempête qui a dû passer. Ouais, on a dû avoir un orage. Et... Ah bah oui, on a eu un orage. Et donc nous, en fait, nous, on n'a rien à faire. On a juste à attendre, en fait. Alors, attendez, voilà. Parce que là, il y a un coffre spécial pour les patates. Enfin, pour les patates. Fruits et légumes. Il faut regarder les noms. Hein. Il y a des noms, tu vois. T'as raison. Bah, bah. Tu m'as fait mettre des noms, c'est pas pour rien, je le dis. Non, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Fruits et légumes, voilà. Il y a le yucca et le patate. Du coup, on a 3 pommes de terre. Enfin, 3 lots de pommes de terre. Et du coup, on va aller en pleine mer pour voir si on chope des plus gros poissons. Parce que tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Notre beau bateau, un beau bateau que j'aime beaucoup. Notre beau bateau. Et on l'a pas vu derrière le bateau. Eh ben non, on l'a pas vu le bateau. Et oui, parce qu'on a terminé le bateau en fait en vidéo. Eh ouais, dernière vidéo en fait, on en avait que 5 plateformes, là on en a 6. On a rajouté en fait un côté avec des pneus. En fait, on a emmené des pneus qu'on avait ici, on a emmené un pneu. Il y en avait 3 là-bas. Du coup, on a fait 4, parce qu'en fait, nous, on a tout merdé, on a recommencé. Hein, ah oui, on explique ce qui s'est passé ou pas? Bah, en fait, ils l'avaient déjà vu la fin de l'eau, en fait, on était à moitié mort. Hein. Je peux vous assurer qu'on n'a pas réussi à rentrer parce que des requins nous ont graillé. C'est fini, c'est pour un problème réglé. En plusieurs fois. T'es prêt? Attends, enlève pas le frein à main. Attention. Là, on va aller direct sur les. Non, mais attends. Banzaï! Ah non, j'ai remonté la voile. Mais qu'est-ce que toi? Ah, t'as remonté la voile, c'est dommage. Ah oui. Tu peux arrêter de jouer avec la voile, s'il te plaît. Alors, on va pas trop loin. Hein. C'est vraiment histoire de pêcher un peu plus loin. C'est quoi, c'est un caillou en dessous, ok. Donc moi, je prends la canne à pêche. On va faire un... Mais ça sert à rien de jeter maintenant. Ouais, c'est vrai que la corde est un peu distendue. Ah oui. Comment on ramasse? Attention, je jette l'ancre. Coup de frein. Oh putain, je me sens un lourd. Oh putain. T'as une touche. Eh mais attends, là j'ai plus de dessus. Hein. Oh putain, je suis tombé dans l'eau. Là c'est un gros truc. C'est pas moi là-bas. J'espère que c'est pas un requin. Ah c'est bon, oh, je vois le poisson. C'est un beau poisson. Je l'ai presque. Poisson cabillaud. Un cabillaud. C'est pas la classe ça? Eh. Eh, regarde ça. Monsieur ne s'en fuse rien. Bah attends, moi jamais. Hein. Non, c'est pas pareil en mer. Oh, putain. Ça vole là. C'est pas pareil. Hein. Là ta corde elle est pas bandée. Ouais. Il n'est pas bandé. Moi je sais que t'aimes bien bandé. Hein. Non, elle est bonne ta balle. Je peux la dire 10 fois celle-là en plus, t'as bien. Oui, je sais. Bon, c'est pas comme si c'était la deuxième fois que j'entendais. C'est pas dans la première vidéo où je le fais en plus. Hein. Non, du tout.
Bon, tu pêches ou quoi là? Parce que je me fais. Attends, je vais t'aider parce que t'es nul. T'as un gros poisson, hein. Et tiens, que c'est moi qui vais ramasser. Alors, moi, tu vois, moi je tends un peu le. La ficelle comme ça. Ils aiment bien voir les cibles qui bougent, les poissons. Ouais. Ou pas. Ça marche plus. Dis donc, ça marche super, hein, ton truc. T'as vu, ça marchait. Oui, dis donc, waouh. Hey. T'as mis des côtés de la mer, toi, non? Bah, d'habitude, ça marche très bien, ça. Alors, moi, je suis pas un grand pêcheur. Oula. J'appuie en fait en même temps sur tous les boutons à la fois, c'est pour ça. En fait, je lance comme ceci. Et après, en fait, je restais. Oh, j'ai lancé les super loin. Ah. Ouh. Le poisson s'est enfui. La ligne s'est cassée. Attends. La ligne s'est cassée. Eh ben voilà, allez, plonge. Va chercher ton bouchon là-bas tout au bout. T'es sérieux? Putain. J'ai crevé là si je le fais. Le poisson s'est enfui. Alors, à mon avis, quand le poisson s'est. Quand ça fait directement que le poisson s'enfuit, à mon avis. C'est du gros. C'est un requin. Tu vas comme ça toi? Bah c'est toi qui m'as dit va le chercher, j'ai cherché. Mais tu sais qu'on a un bateau parce que là tu vas rencontrer un requin à mon avis. Hein. Bah t'as qu'à venir me charger. Fuck. Tu peux pas, je pêche. Allez, c'est toi qui m'as dit va le chercher, non, moi je vais le chercher. Hein. Pourquoi le mec il vient me faire chier quoi. Oh putain, le requin qui est passé en plus. Le gadoche il a rien du tout, hein, tu vois. Il y a un putain de requin qui est passé. Alors, on disait, on relance. On vise et on tire. Peut-être qu'il faut pas lancer trop loin aussi. Je viens d'avoir encore une touche, mais en fait j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, le poisson s'enfuit. A mon avis c'est... Ah oui, c'est le requin, ah bah d'accord. Donc ça va, la ligne casse, mais en gros c'est quand même assez limité. Hein, on va dire ça. Ah. C'est toi qui tire là? C'est bon? Oui, tu... Ah. Non, c'est parce que j'ai... Pourquoi je suis dans l'eau? 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 Bah t'as glissé. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait ça marche plus du tout en fait. J'ai l'impression qu'il faut un temps à tout. Et que j'ai eu un cabillaud en fait parce qu'en fait il y en avait un dans le coin. Maintenant qu'on a pêché, hein, il faut attendre 20 minutes. Ah ouais, il faut attendre que ça mange maintenant. Non mais après moi ça me va un cabillaud, c'était pour le test. Hein, enfin... Ah! Deuxième cabillaud ou pas deuxième cabillaud? Oh, le requin qui veut te passer, t'as vu? Ouais. Oh. Moi j'ai que dalle, mais vraiment que dalle quoi. Alors moi je suis en train de. Je vais faire ça. Ouais, si tu peux m'éclairer, c'est ça en fait. Putain, mais j'arrive pas à l'avoir en fait, j'arrive pas à remonter. Hein. Ah ouais, c'est... Ah non, mais je te dis, c'est... Voilà, c'est ça qui est bien dans cette partie de pêche là, c'est que voilà, quand tu es obligé de relâcher, il reprend la ligne quoi. Là, à mon avis, vu de la façon que ton bouchon il bouge, ça doit pas être le petit. Hein. C'est un gros, hein. Essaye d'éclairer pour voir si on voit quelque chose. Est-ce que tu pourrais te rapprocher éventuellement avec le bateau? On va nous ramener un requin. Ah, peut-être. Ouais, mais c'est chaud. Ah, c'est bon, tu le ramènes là. C'est bon, je crois que je l'ai. Oh, c'est une anguille, on dirait. Bien sûr. Ouais, cabillaud encore. Cabillaud attrapé, ouais. Enfin, attrape le requin là. Ouais, attends. Il nous faudrait un plus gros bateau. Bah, tu vois, moi j'arrive à ramasser des cabillauds. Ah, c'est qui le pêcheur? Mais on en parle ou pas? Mais je suis pas, j'habite pas la mer moi. Non mais si tu crois que le maroilles ça se ramasse comme ça Non, je dis c'est au cas où. Dans le nord Oh putain, attends, j'ai encore eu un, t'as vu ça? Là, c'est que pour moi. Hein. Toi t'es pas beau. Bah, hey, t'as vu, il y a une espèce de petit nuage, ouais, il doit y avoir une carcasse. Soit une carcasse, ouais. Soit un regard. Allez, tu viens, ta saloperie. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on s'est vachement éloigné dans la rive. Ah non, c'est pas possible, on a mis le frein à main. Putain, il est juste à côté, j'arrive pas à le voir. Ah, le requin il tape dans le bateau, t'as vu? Sent-il le bateau bouger? Ouais, on m'en fout un peu en fait. T'entends que ça fait boum. Et le requin qui tape dans le bateau.
Allez. Et j'ai alors quoi? Un sandwich. Cabillaud. Un cabillaud. Non mais tu m'énerves. T'as vu ça? Trois cabillauds, hein. Je vais te pousser là. moi j'arrive pas à pêcher. Moi je crois que c'est le requin qui fait peur. Pour pêcher un requin en fait. C'est le requin qui fait peur au poisson. Et rentrons parce que là on est en pleine nuit. Normalement c'est le matin tôt qu'il faut se lever. C'est pas en pleine nuit. Hein. Allez, allez, on se casse. Je prends le. Non, moi j'ai une idée. Comment ça va faire ça? D'abord tu tournes. Donc, t'as envie de. Non. C'est bon, il est remonté. Vas-y, tourne. Ça marche pas? Si, ça tourne, mais tout doucement en fait. Attention, roue arrière ou pas roue arrière? Allez, vas-y, décolle. Attends, j'essaye. C'est parti. C'est moi qui fais un petit peu de bateau, ça fait exactement ça. Quand il y a le vent qui s'engouffre, en fait, t'as une accélération, mais c'est assez brutal. Hein. C'est assez. Alors, quand il y a beaucoup de vent, là, t'es collé au siège. J'ai pas l'impression, mais ça tient. Après, vu la taille de la voile, là, ça va pas nous arriver. Ça va pas nous arriver, là, y'a pas de siège. Donc, Mais. Ouais, mais tu pourrais. Coller au siège. Partir en arrière, hein. Coller au bas, alors. Coller au sol. Coller à l'eau, surtout. Notre ado, il est quand même petit, on pourrait peut-être en prendre un plus grand, en sachant. Ah ouais, non, mais on pourrait l'agrandir. Mais putain, enfin. Ouais, il fait déjà 6 quand même, hein. Alors, on pourrait faire 9. 3 sur 3. Non, pas 3 sur 2. Et ben voilà. On est comment? Oh putain, j'avais pas vu. T'as vu ça? Ouais, bah oui, comme d'hab. Hein. La flotte, ça descend. Alors, c'est le jeu est sympa, hein, mais par contre, la consommation d'eau, c'est impressionnant. Et puis, j'ai l'impression que ça augmente au fil du temps en plus. On met les camions ou pas? En gros, on a fait du sport aussi. Hein. Faut les vider, hein, vraiment, faut les découper. Hein. Attends, pourquoi il veut pas là? Faut les découper. Ah! Bah oui! C'est par terre. Bon, attends, c'est quoi? C'est quoi? Non, j'ai juste aidé à le faire parce que sinon ça va pas le faire. On a combien à chaque fois, à ton avis? Je sais pas. Le cabillaud, ça vaut franchement, j'ai jamais découpé. Deux ou un? Une grosse viande, deux grosses viandes? Moi je dirais deux, moi. Non, une seule. Ah non, une seule. Bon, on s'en fait une chacun déjà pour commencer? Hein oui! Je mets du bois, je m'occupe du feu. Voilà. On sent, il y a aussi une histoire de mouette là, je crois. J'ai déjà toutes les mouettes, c'est bon. Ok, je mets la viande à sécher. À sécher, à fumer, hein, du coup. Voilà. Le dernier poisson, je le garde. Ça fait dextérité, c'est un truc de fou. Ouais. Je disais, c'est quoi ce bruit, là? Ça fait un peu de poète, là. Putain, j'ai encore trop de trucs sur moi, c'est ça, là, encore la blague? Putain, c'est hallucinant. Alors, j'en mets un cabillaud qui est dans ma main. C'est pénible. Mais laisse ce putain de coffre fermé. T'as mis l'armée ce putain de... Bah oui, c'est mon fagot. Je te ferai remarquer que normalement, les fagots étaient à côté du feu pour utiliser au cas d'utilisation. Oui, je sais. Bah, c'est pas moi qui les ai mis dans le coffre. Il va falloir un deuxième coffre. Il va falloir un plus gros bateau. Ouh, ça m'énerve. Alors, vous voyez, ça, les viewers, c'est typiquement le truc qui m'énerve avec ce jeu. C'est ça. C'est que... Là, il est dedans. Ah, le bâton coffre. Voilà. Donc là, il est dans mon inventaire. Je me mets à côté. Je jette ce putain de... De merde, voilà. Ça y est. Alors, ne pas dépecer aussi, on précise. Ne pas dépecer, en fait, et ne la mettre dans le coffre, parce que ça risque de pourrir. Tant qu'il est comme ça, en fait, il pourrit pas. Voilà. Donc, on se galère. Alors, peut-être qu'il pourrit, mais moins vite. Alors, ensuite, il faut relâcher ça. Il faut retourner là. Et là, je vais enfin réussir ce que je veux. Et bah, putain. Voilà. Donc, les fagots, puisque tu veux... Je les range aussi, hein. Sans moi, tu pourras pas dire que j'ai pas. Je suis crade, on va dire. Enfin, je suis crade ou je sais pas ranger, voilà. Ça c'est fait. Donc maintenant, ça va cuire. Par contre, là, il faut vraiment boire parce que notre vie va descendre si on boit pas. Par contre, je sais pas comment ça se fait qu'on a perdu autant de boissons, quoi. Je veux dire. Il s'est coulé une demi-heure, hein. Il s'est coulé une seule demi-heure. Hein. Oui, non, mais ça va vite, hein. Et là. Le jeu est très bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le jeu est très bien, mais par contre, la consommation d'eau. Et la fabrication d'eau, c'est pas top top. Hein. Alors vous voyez, un palmier, c'est ce que je disais. On va le dire, on voit pas grand chose, je suis désolé. Nuit. 3. C'est 4 coups. C'est 5 coups, pardon. Voilà, on ramasse tout. Donc 5 feuilles de palmier, comme je vous l'avais dit. Donc vous imaginez le nombre qu'on a en fait avec un coffre qui est rempli de 12 et un coffre qui est rempli de 5 du coup. Donc ça en fait 17. Ensuite il faut la prendre dans la main.
s'il veut bien, parce que j'ai déjà un truc. Ça, ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve? Ah, l'horreur. Alors, voilà, ça c'est fait. Il a rempli. 3. Comment tu vas? Oh, oui, les deux sont bien. Voilà. T'as bu toute la flotte? Non, t'as pas. Non. Du coup, là, on a dû boire pas mal. Gadu, là-haut dans les coffres d'hiver, celui qui est complètement à gauche, je vais l'appeler pêche. On va mettre tout le matériel de pêche dedans. Voilà, et, bah tu vois. Bah tu vois, j'ai les, hein, t'as vu, c'est pas toi qui as réussi là. Parfait. Je te pisse. Oui, ça va. T'en mal pas. Tu vois ce que je veux dire ou... Oui, je vois bien. Ouais. C'est lequel là? C'est le deuxième? Le premier? Non, le premier là. Tout à gauche. Donc, du coup, je vais pouvoir entasser aussi mes choses avec toi. Sans tasse. Bah, d'ailleurs, en fait, il y a deux de chaque et bah ça. Hein. C'est bon. Après, pareil pour la chasse. Flèche et arc. Sauf que non, on va pas le faire parce qu'on va peut-être les garder. Enfin, encore que si. Tu pourrais mettre un flèche et arc. Pêche. Il manque le 150 flex, mais je pense que. Oui, bon, mettre, ça va. Hein. Et la viande. Et la viande est cuite. Et celui d'à côté, je vais mettre chasse. D'accord? Vas-y. Chasse et pêche. Vous auriez l'épisode de chasse et pêche. Voilà. Donc en fait, non, c'est ce qu'on avait prévu qui s'est passé. Il te reste une viande, Farah. Et même ça, ça suffit pas, faudra en mettre une autre. Non, c'est pas possible. On se met quoi? On se met une mouette? Ouais. Ouais, on va se mettre... Alors, je sais pas si la mouette, c'est bon à grailler. Hein. J'ai quand même un doute, mais... Ah bah, je pense que quand t'as faim... Oui. Attends, déplacez. Ah, par contre, ce qui est marrant, c'est que... Oh, gross. Putain de steak. C'est l'air d'être super énorme, en fait. Les morceaux de mouette. Voilà, t'es qui vont. Moi, je suis bien en bouffe, hein. Ah oui, non, mais... Ah, c'est des petites... Non, c'est des petites viandes, hein. Ouais. Bah, pourtant, dans la main, c'est pas... Alors, et par contre, je suis déçu, c'est que quand tu... On peut chasser la chauve-souris aussi, hein. La chauve-souris, c'est pareil, c'est de la petite viande aussi. Attends, mais discute aussi, parce que sinon... Hein. Le problème, c'est que là... Oula, qu'est-ce qui s'est passé, là? T'as vu ce qui s'est passé? Attends, mais les discus ont pas été mélangés. Putain. Non, mais oui, les discus se mélangent aux sardines. Non, ils se mélangent aussi avec le cabillaud, non? Ah, ça, attends, je vais vérifier. Hein. Je crois qu'il y a un cabillaud. De toute façon, tu t'en fous. Tu vas être obligé de les jeter par terre pour les ouvrir. T'as vu? Tu vas être obligé de les jeter par terre pour les ouvrir, de toute façon, donc tu t'en fous. Oui, c'est vrai. Alors. Attends. Du coup, reprenons ça. Ça, c'est super chiant, ça. Ça, c'est limite buggy, en fait. 2, 3, 4. On va prendre juste les sardines. Non, les deux discus, ça te va, ça? Oui, vas-y. Deux discus. En fait. Mais ouais. Voilà. Vas-y. Ça. Ok. Et dans celui-là, on met. Ça. Il reste des discus par terre là. Hein. Je sais, mais celle-là, je l'ai coupé. Toi, tu peux déjà les déposer si tu veux. Voilà. C'est un peu technique, hein, par contre, le coup de l'inventaire là. Alors, on va faire en même temps, est-ce qu'on aura deux viandes? Bon, si jamais il y a des fois ça peut marcher, hein, sur un malentendu. Voilà. Donc, niveau boisson, ça va remonter. Donc, tout est bien niveau bouffe, hein, mais c'est moi qui ai mal niveau bouffe. Et niveau boisson, bah. Faut qu'ils boivent en fait. Bois un petit coup. Voilà. Et on en remet, j'arrête pas d'en remettre. Vous avez vu, hein, ça part super vite. Là, il y a déjà un coffre. Le coffre était quasiment plein celui-là, hein, pour info. On l'a quasiment désingué. Voilà. Petit couteau comme d'habitude pour couper les feuilles et ça y est, on aura un nouveau la flotte qui va être trop vite. Ça part très très vite. En plus, le temps qu'on aille manger, voilà, ça redescend encore. C'est hallucinant quoi. Alors j'ai attrapé une chauve-souris. Ah, c'est vrai. Regarde, je viens de la dépecer. Voilà, c'est bon, tout est fou de nouveau. Et prends de la flotte. Hein. Et tu vois la chauve-souris, la viande est aussi petite. C'est dégueulasse. Oui, c'est ça en fait. C'est... J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gâchis. Hein. Ouais, c'est dégueulasse. Il y a de la viande fumée là, je crois. Alors, tu dis qu'une chauve-souris ça va être un beau morceau de viande quand même, et bah non, en fait. Okay. Alors, moi je graille, je crois que c'est un carré, la petite viande, je crois. Ah, ça fait bip, ça veut dire que déjà je suis dans ma zone de confort. Voilà, il m'en faut encore une deuxième quand même, minimum. Le problème c'est que la mouette est. Petit poisson viande, c'était la mouette ça. Ouais, bah de toute façon, il s'allumait, ouais, petit poisson, petit machin. Alors, petit poisson viande pour une mouette. Ouais, écoute. Et pourtant, il marque petite chauve-souris viande. Est-ce qu'on pourrait parler français et mettre petite viande de chauve-souris
ou et non pas rudimentaire arc, mais mettre plutôt arc rudimentaire. Est-ce que c'est trop demandé ou comment ça se passe? Ah, le micro est la mouette, attention, est-ce que la mouette est bonne? Ah, c'est pas mal, t'as vu? Et ben, j'en prends encore un petit coup, et moi je suis full de partout. Enfin... Et moi, c'est juste l'eau en fait qui décolle encore un peu, mais bah, ça devrait. Viens, mais viens prendre les 3 doses d'eau qu'il y a là déjà, là. Les 3, prends les 3. Moi je suis à fond, regarde. Et là, t'es comment là si tu prends les 3? Ah bah voilà, nickel, bah 2 touches plus, pourquoi les dernières? Et bah c'est parfait. Et bah voilà, du coup, vous aurez vu hein, les viewers comment on fait pour se nourrir. Vous avez vu que bah, le peu de poissons qu'on a ramassé, le peu de trucs qu'on a ramassé, en fait, ça nous a coûté largement plus en fait à le faire. Bien. Parce que là, on a perdu 7 doses de flotte en un épisode. Hein. Après, peut-être que si on était en plein soleil. Copain. Je me suis mis à côté de mon copain. Peut-être qu'on était en plein soleil. T'es mignon. Alors par contre, tu vas bugger parce que t'es accroupi, tu sais que quand t'es accroupi, ça bug. Mais non, regarde. Tu peux taper là? Bah moi, à chaque fois que j'ai bugué, en fait, je peux plus taper, j'ai été accroupi avant. C'est jaloux, mais c'est jaloux, c'est tout. Peut-être qu'il faut pas taper accroupi, en fait. Peut-être ça qu'il faut faire. Sinon, ça te bug. Bon, ouais, c'est pas le sujet. On va se laisser ici, j'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.